Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une petite vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre à figer la colonne d'une cellule. Et ici, je vous ai mis un petit exemple où on fige la colonne. En fait, quand le dollar il est au début, avant la lettre, ça veut dire qu'on fige la colonne. Et figer la colonne, ça va nous permettre de figer la colonne d'une cellule pour pouvoir étirer une formule vers la gauche ou vers la droite. Du coup, ce que je vais faire ici, vous avez un petit exemple. Et nous, ce qu'on souhaite faire, c'est calculer le nombre de ventes fait par chaque commercial, par exemple pour Bilal, pour Hawa et pour Lily. Et si j'ai, en fait, là j'ai déjà fait ma formule. Moi, tout ce que j'ai à faire, c'est glisser ma formule vers la droite ou vers le bas pour avoir toutes les autres informations. Mais je vous invite juste à vous concentrer sur F5. Pourquoi F5? Parce que F5, ça correspond au mois. Nous, c'est la cellule qu'on veut figer. Et là, regardez ma formule. Je vais glisser vers la droite et là je me mets ici pour regarder. Quand je me mets ici, on voit bien que le mois de janvier s'est décalé vers la droite. Du coup, ce mois-là, moi je dois le fixer pour pouvoir étirer ma formule vers la droite. Sinon, ça biaise ma formule. Je vais revenir ici. Je vais appuyer sur F4 si vous êtes sur Windows ou FNF4. Commentez si vous êtes sur Mac. Une fois, ça me fait ça, c'est pas ce que je veux, c'est pas non plus ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est le dollar qu'il soit au début. Et là, je fais entrer, et là, je vais étirer ma formule vers la droite. Là, je me mets ici juste pour regarder est-ce que le mois de janvier il est bien fixe. Et là, je vois bien que le mois de janvier il est bien fixe. C'est la cellule qui nous intéresse dans cette formule. Et je me mets ici et je vois bien que le mois de janvier il est aussi fixe. Du coup, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement dans une nouvelle vidéo.